Bonjour, je m'appelle Thibaut et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, petit retour aux sources. J'avais envie de parler d'un mot dont j'ai découvert l'existence cette semaine. Alors c'est un mot qui n'est pas non plus super récent, mais il y a plusieurs articles qui s'en sont fait l'écho cette semaine, donc je me suis dit peut-être un petit retour en grâce de cette pratique, ma foi, assez bizarre. Via un nouvel épisode de Thibaut t'explique, je vais vous montrer ce que le nutscaping signifie. Cela fait maintenant 6 mois qu'Edouard a tout quitté pour partir faire le tour du monde. Et quand je dis tout quitter, c'est genre tout, vous y compris. Depuis, votre vie n'est plus que morosité, et vous vous consolez comme vous le pouvez. Ceci dit, au bout d'un moment, vous aussi, vous arrivez à saturation de toutes les photos super drôles et originales qu'Edouard balance tous les jours, tout le temps, sur les réseaux sociaux. Vous n'en pouvez plus! Jusqu'au jour où sur les photos d'Edouard, plus d'Edouard. Mais à la place, une forme ronde, poilue et floue. Qu'est-ce ? Un ovni ? Un trou noir ? Rassurez-vous, cette tâche bizarre n'est autre que sa couille droite, puisqu'Edouard s'adonne désormais aux joies du nutscaping, c'est-à-dire en français le selfie de testicule. De couille, quoi. Pratique qui date de 2007, mais qui connaît depuis peu un regain d'intérêt. Pourquoi ? C'est comme ça. Je n'ai pas d'explication logique et rationnelle. Alors surtout, très important, il vaut mieux pour le nutscaping privilégier des paysages déserts, hein, le Grand Canyon, le Sahara, l'Himalaya, et surtout ne pas faire ça devant une école maternelle, ce qui pourrait être un peu mal interprété, en plus par les temps qui courent, il vaut mieux faire attention à ce genre de bad buzz. Je vais pas vous demander de m'envoyer vos plus belles photos de nutscaping, ce serait un peu discriminant par rapport aux femmes qui me regardent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce bleu en bas à gauche, et on se retrouve mercredi prochain. Mercredi, jour de sortie YouTube, pour une nouvelle aventure. Je vous laisse sur une superbe image de Netscaping. Je vous embrasse !